leaders shaking the nations, the suffering, the woes, the hunger, the pestilences, the famines, and all the groanings of the earth through the earthquakes, the mudslides, and all the floods, and all the things coming, all of these things Jesus prophesied. All things will pass away, but the word of God will not pass away. This is where we are, beloved. Darkness is permeating, pushing in. The day of the Lord is coming so close, and if it catches us the way we are, we shall not be able to stand. Every man and woman, every Donations is a movement to mobilize the body of Christ to complete the Great Commission in this generation. We are preparing nations for the return of the Lord through prayer, evangelism, and through discipleship. We're tasked to disciple beyond the four walls of the church, bringing social transformation to the nations. We're working beyond denominational, racial, and generational lines. We're working as one. We're working as the body of Christ to win our communities for the kingdom of God and to disciple the nations for the glory of God. The Great Commission is being fulfilled. Our communities are being transformed and the kingdom of God is manifesting. Join the movement to disciple the nations. Answer the call. Go fulfill the Great Commission. But anyway, back home. Mais à la maison. And someone says hallelujah. Quand quelqu'un dit alléluia. We lift our voice and give the glory to God. On élève nos voix pour donner gloire à Dieu. And we shout amen. Et on crie amen. Will you turn around, look someone straight in the eye? Est-ce que vous voulez vous tourner vers quelqu'un, le regarder dans les yeux? Smile and greet them with the love of Jesus. Vous lui faites un grand sourire et vous le saluez dans le nom de Jésus. And before we go into the word of God tonight, avant d'ouvrir la parole de Dieu ce soir, I want to say something about, j'aimerais dire quelque chose about our camp meeting in January. Au sujet de notre rencontre de janvier. Every year in January, chaque année en janvier on fait un camp. People from different countries, different continents, des gens de différents pays et continents, come over to Kampala, viennent à Kampala, what we call a prayer and revival camp meeting, ce que nous appelons un camp de prière et de réveil. But it's not just a matter of coming to attend a conference. Mais c'est pas juste une question d'assister à une conférence. If you think about it, quand on y pense, with all the conferences in the Western world, why would a person leave Europe or America to come to Africa for a conference? Avec toutes les conférences qu'il y a en Occident, pourquoi une personne quitterait-elle l'Europe ou l'Amérique pour aller à une conférence en Afrique? The best speakers, the most renowned speakers are with you here, you get them. Et les orateurs les plus renommés, on les trouve en Occident. It's not about speakers. C'est pas au sujet d'orateurs. About one very, very special gift. C'est au sujet d'un don particulier. The gift of praying and pressing into the presence of the Lord. C'est le don de la prière et d'insister jusqu'à ce qu'on voit la présence de Dieu. Several years ago, the Lord gave us a promise. Il y a quelques années, Dieu nous a fait une promesse. He said, if you will be faithful in what I'm teaching you. Et il nous a dit, si vous êtes fidèle dans ce que je vous enseigne, I'll make a fountain. In the land. Je ferai une fontaine dans le pays. And I'll bring people from many nations. Et j'apporterai des personnes de différentes nations. And I'll give them to drink. Et je leur donnerai à boire. He said, I'll make a bonfire in the land. Et je ferai un feu.
And I'll bring people from many countries. Et il y aura des gens qui viendront de différents pays. And I'll set them on fire. Et j'allumerai un feu dans leur cœur. And I'll put inside of them. Et je mettrai en eux. A seed for transforming lives. Une graine de transformation de vie. And when they go back to their nations. Et lorsqu'ils retournent dans leur nation. They will take that fire. Ils prendront avec eux ce feu. They will take that. Ils le prendront. That water they've drunk. L'eau dont ils ont bu, la prendra avec eux. We did not intentionally set out to organize international conferences. On n'a pas intentionnellement organisé des conférences internationales. But by the leading of the Lord, we began having one solemn assembly at the beginning of the year for our nation. Mais par la conduite du Saint-Esprit, on a une assemblée solennelle au début de l'année pour notre nation. And we're dealing with issues touching the whole nation. Et on s'occupait de problèmes qui concernaient toute la nation. But in a short time, it began to attract the attention of countries around us. Mais en peu de temps, ça a suscité l'attention des pays autour. Because issues that we were touching, which looked impossible, every year when we came back, they would be answered. Parce que les sujets qu'on traitait et qui nous paraissaient impossibles avaient des réponses chaque année lorsqu'on se retrouvait. And some of them answered astoundingly. They are reported in the newspapers. Et d'une manière étonnante, certaines de ces réponses étaient publiées par les journaux. So people around, countries around ours began coming into these meetings for the sake of their own nations. Et puis des gens venaient d'autres pays pour s'intéresser à ce qui se passait en vue de leur nation. And then a few people began coming from afar. Et puis des gens sont venus de loin. 1998 was the first time we had people coming from every continent. En 98, des gens sont venus de tous les continents pour la première fois. Our first truly international conference. Et pour nous, c'était notre vraie première conférence internationale. We had 36 nations represented. Il y avait 36 nations représentées. From Australia and Tonga. D'Australie, Tonga jusqu'au Brésil. All regions in between. Et toutes les régions entre deux. It was a picture of a mess. C'était une image d'une masse. In organization, we were very un-international. C'était l'image d'un désordre parce que dans l'organisation, on était peu international. And though we were praying for nations, et alors qu'on priait pour les nations, our intercessors had never had a real encounter with nations. Nos intercesseurs n'avaient jamais eu une rencontre à ce niveau avec les nations. And we had a number of big name speakers. Et il y avait des grosses huiles au niveau des orateurs. As well as leaders of all different types. Et des responsables de tout type. And when we got together, et alors qu'on s'est rassemblés, it was a camp meeting of 3 weeks. C'était une rencontre de 3 semaines. 24 hours. 24 heures sur 24. Those prayer going on 24 hours all the time. La prière qui continuellement se faisait 24 heures sur 24. The first week was wonderful. La première semaine était merveilleuse. We were just Ugandans alone. On était juste les Ougandais. And it was just so rich. Et c'était tellement riche. The second week, la deuxième semaine, the internationals getted in. Les gens internationaux sont arrivés. And I think we lost track. Et on a perdu notre chemin. We lost the anointing. On a perdu l'onction. We lost grip of what God was doing. On a perdu prise sur ce que Dieu faisait. And then we had strife. Et puis ensuite, il y a eu des among tensions the groups, entre les groupes. The hatreds of nations were so vividly played out before us. Et les haines entre nations étaient démontrées sous nos yeux. And also the strivings of certain leaders. Et aussi les luttes de certains responsables. It was such a stress. I fell sick in the middle of it all. Et c'était tellement stressant que je suis tombé malade au milieu. And I had to be hospitalized for about 3 days. Et pendant 3 jours, je me suis retrouvé à l'hôpital. In my spirit, I gave up that kind of meeting. Et dans mon esprit, j'ai abandonné ce genre de réunion. I'm never going to organize this thing again. Et je vais plus organiser ce genre de truc. And I had been praying and believing God for the prayer mountain, the Africa prayer mountain, for 4 years. Et pendant 4 ans, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu une montagne de prière pour l'Afrique. And at that moment, I gave it up. I said, Lord, I'm tired. I give it up. Et à ce moment-là, j'ai dit au Seigneur, je suis fatigué, j'abandonne ce projet. So in the third week, la troisième semaine, we were a group of very tired people. On était un groupe de gens très fatigués. Determined to just go through up to the end. Et on était décidé juste à aller jusqu'à la fin, quoi qu'il en coûte. We tried to institute
leadership team of internationals. On a essayé de mettre en place une équipe de responsables internationales. And have prayer every together every day. Et de prier ensemble chaque jour. It was a mess. Et c'était une pagaille. And sometimes there was such disagreement, people broke out into their mother tongues. Quelquefois, il y avait tellement d'argumentations que les gens éclataient dans leur langue maternelle. Koreans speaking their Korean language. Les Coréens se mettent à parler leur coréen. The Jews in their Hebrew. Les Juifs en hébreu. And we would just speak at each. Et on se parlait comme ça les uns les autres. But thank God, He brought us one. Mais merci Seigneur, il nous a unis. One of our last speakers. Un de nos derniers orateurs. Led with a wonderful spirit. Nous a conduit dans un esprit merveilleux. From America. Il venait d'Amérique. And God used her. Et Dieu l'a utilisée. She didn't know what was going on. Elle ne savait pas ce qui se passait. But God used her to bring our hearts together again. Mais Dieu l'a utilisée pour réunir nos cœurs. And to speak very, very clearly into our hearts. Et parler très clairement à nos cœurs. And without being told, she prophesied to me. Et sans rien dire, elle a prophétisé sur moi. And said, "There's nothing you're doing that you started." Il n'y a rien que tu fais que ce soit toi qui es initié. Everything was started by the Lord. Tout a été commencé par le Seigneur. And she started saying, "Don't give up the prayer mountain." N'abandonne pas la montagne de prière. She didn't even know about the prayer mountain. Elle ne savait rien au sujet de la montagne de prière. She started saying, "The prayer mountain is not your idea; it's my idea." La montagne de prière, c'est pas ton idée, c'est l'idée du Seigneur. And every detail will come to pass. Et chaque détail s'accomplira. And then she started naming all the detailed visions and projects we are thinking of putting on the prayer mountain. Et elle a commencé à mentionner en détail tous les projets qu'on avait sur nos cœurs et de mettre sur la montagne de prière. And she was saying, "This will come to pass." Et en disant ça se produira. Ça se produira. Such accurate prophecy. Et des prophéties tellement pointues. I mean, those are one of the very few times I've really been so encouraged by a word of prophecy. Et c'est une des rares fois où j'étais tellement encouragé par une parole prophétique. Because there was no way at all she could have known about. Parce que d'aucune manière elle ne pouvait savoir ces détails. And then she gave us a prophecy about the meetings. Et ensuite elle nous a donné une prophétie pour la réunion. Said, "This is God's time for appointment with nations." Il nous a dit c'est le moment de Dieu pour une rencontre avec pour un rendez-vous avec les nations. He had allowed us to experience that tension and stress. Il nous a permis d'expérimenter cette tension et ce stress. That we may get a bigger burden for the nations. Pour qu'on ait un fardeau plus grand pour les nations. And that since that time we made a new commitment to intercede daily for nations. Et on a pris un nouvel engagement d'intercéder journellement pour les nations. And since that time, et à partir de ce moment, we have been seeing every year an increasing thickness of the anointing of God. Et chaque année, on a vu une plus grande onction de Dieu sur cette conférence. And more seeing God working out His purposes for the nations. Et Dieu travaillait à établir ses desseins pour la nation. And more we are taking the focus away from Uganda to focus more and more on the nations. Et de plus en plus nos regards se portent loin de l'Ouganda pour se porter sur les nations. So I just wanted to ask you. J'aimerais vous demander. Think about it and pray about it. Priez pour cela et pensez-y. Whether God would have you come out in January next year. Si Dieu ne voudrait pas que vous veniez en janvier l'année prochaine. Over the last few weeks. Les dernières semaines écoulées, we were meeting together with all the leaders, on s'est réunis avec tous les responsables. The Lord made it clear to us, Dieu nous a montré clairement, that the coming camp meeting, que le camp qui allait venir, we should pay special attention to what He wants to do in Europe. Que nous devions mettre notre attention particulièrement sur ce qu'il allait faire en Europe. Our strategy is always nations, but particularly African nations. Notre stratégie, c'est les nations, mais particulièrement les nations africaines. God has made it clear to us this time. Mais pour cette fois, Dieu nous a montré clairement. He wants to do something to release something for the continent of Europe. Il voudrait faire quelque chose pour libérer quelque chose pour le continent européen. And this has brought a new direction of prayer among the intercessors there. Et ça nous a donné une nouvelle direction dans la prière pour tous les intercesseurs. There were people praying and fasting about this coming camp meeting since March. Il y a des gens qui depuis le mois de mars prient et jeûnent pour la conférence qui va venir. And our commitment is anytime as soon as we get a name of a person coming, we assign an intercessor to that person to start praying for that person until he arrives. Et notre stratégie, c'est dès que quelqu'un s'est inscrit pour la conférence, il y a un intercesseur assigné, désigné, qui prie pour cette personne jusqu'à ce qu'il arrive à la conférence. We have witnessed
people's lives changed. Et on peut rendre témoignage qu'on a vu la vie des personnes changer. And in my spirit, I can't say God has said, but in my spirit, I feel like. Je peux pas dire Dieu m'a dit que, mais dans mon esprit, je sens. This particular coming meeting. Cette réunion qui va venir. We are praying and we are making an effort. On prie et on fait un effort. To get at least a few people from every country in Europe. D'avoir quelques personnes, au moins quelques personnes de chaque pays d'Europe. And we are dedicating this particular coming time to very, very special. Et on aimerait consacrer ce camp à un travail de prière d'enfantement pour l'Europe. Believing God that something will be released. Et nous croyons que Dieu va libérer quelque chose. So when I'm saying this, I'm not just inviting you to come and have a tourist journey. Et j'aimerais pas vous inviter pour faire du tourisme. I'm asking you to come. Et j'aimerais vous demander de venir. And together we press into the presence of God. Et ensemble, on insiste auprès du Seigneur dans la prière. The theme is praying and pressing in. Le thème c'est prier et prier jusqu'au bout. There are many people who come and say, "I don't know how to pray. I can't even pray for 20 minutes." Et il y a beaucoup de gens qui viendront qui diront, "Je ne sais pas comment prier, même pas pour 20 minutes." I want to tell you something. Et j'aimerais vous dire. I described praying in. Et hier, j'ai décrit comment prier avec insistance. We have seen this again and again. Et on l'a dit à nouveau. When people are praying together. Quand les gens prient ensemble. Others are struggling. Dans les combats. Others are flowing. Certains dans les combats, d'autres ça coule. We normally say, don't mind if you're struggling, just keep going. Et si vous êtes de ceux qui combattent, ben on vous encourage à aller de l'avant, continuez. And as we pray, et alors qu'on prie, there comes a moment. Il y a un moment. People begin breaking into the presence of God. Il arrive un moment où il y a une percée dans la présence de Dieu. And immediately this begins to happen. Et immédiatement, you just feel in the air the anointing increases. Au moment où ça se produit, on sent que l'onction grandit. And there comes a moment. Et il arrive un moment. When a big mass of people breaks in. Où il y a une grande quantité de personnes qui and vit cette percée. The result is. Et le résultat c'est. It's like a wave of his presence pours upon c'est comme une vague de sa présence qui nous tombe dessus. So even those who say I don't know how to pray. Même ceux qui disent je ne sais pas comment I can't prier. Pray. Je ne sais pas prier. I'm struggling. Je combats, je suddenly, me bataille. They find themselves swept in. Tout à coup ils se trouvent entraînés dans le mouvement. They find themselves praying like they've never prayed before. Et ils se retrouvent en train de prier comme ils l'ont jamais fait their dans leur hearts vie. Melting. Leur cœur se fonde. And many times they cry a lot. Et ils commencent à pleurer. And God deals a lot of things inside. Et Dieu agit en profondeur dans leur cœur. People who have never woken up and prayed for an hour wake up and pray for hours. Et des personnes qui n'ont jamais prié pour une seule heure se mettent à prier pour des heures. It's my cry. C'est mon cri. That God will speak to some of you to come out. Que Dieu parle à certains d'entre vous pour que vous veniez. To meet with God pour rencontrer Dieu in a different setting. Dans un endroit différent. Come out of your normal setting to go out and meet with God in a different setting. Sortir d'un cadre habituel pour entrer dans un nouveau cadre. Mainly leaders. Principalement des responsables. But it's not for leaders only. Mais c'est pas seulement pour des responsables. There's a place for everybody. Il y a une place pour tout le monde. Even the youth. Même pour les jeunes. Amen. Amen. On the last evening. Le dernier soir d'une conférence, there is a pressure to somehow wrap things up. Il y a une pression pour enrober les choses. And somehow bring a climax to everything. Et que tout arrive à un apogée. But I want to ask us together. Mais j'aimerais nous demander ensemble. Let us not approach this evening, or let us not walk through this evening with that attitude. Mais qu'on ne puisse pas vivre cette soirée avec cette attitude-là. Let us not think of a climax. Ne pensons pas à une apogée. That attitude alone spells death to tomorrow. Parce que cette attitude seule nous conduit dans une mort pour demain. See, we've done it. On l'a déjà fait. We've been climbing and we've reached the climax. Hallelujah. On est monté, on a atteint l'apogée, le sommet. Now we can go down. Maintenant on peut descendre. Into normal life. Dans la vie normale. So let us not look at tonight as a climax. Alors it's not a climax. Ne regardons pas ce soir comme un apogée. Let us look at it as a day of conception. Regardons cette soirée comme un jour de conception. I think we have been meeting with God in a way, and God has been
putting some things in our lives. Nous sommes rencontrés avec Dieu et il a mis quelque chose dans nos vies. And what has just happened here with the leaders? Et ce qui s'est passé ici avec les responsables? I feel a seed has been released into our spiritual womb. Une graine a été implantée dans notre sein spirituel. So let us not look at the climax, let us look at the beginning. Ne regardons pas à l'apogée, mais regardons au démarrage, au début. Let us walk out of this place. Partons de ce lieu. Beginning a walk. En commençant un chemin. So I want to share a little bit into that direction. J'aimerais parler un petit peu dans cette direction. And I want to remind you a little bit about what I shared. J'aimerais rappeler certaines des choses que j'ai dit hier soir ou hier. I have been to some places and God just pours out His Spirit and people begin to travail. J'ai été dans certains endroits, Dieu déverse son esprit et les gens qui se mettent à prier sont saisis. But the general experience is people receive the calling to Him. Mais l'expérience générale, c'est que les gens reçoivent l'appel. And it's like a seed. Et c'est comme une graine. They take it. Ils la prennent. They nurture it. Ils la nourrissent. They begin to seek. Ils commencent à chercher. To understand. De comprendre. And to press and to begin to seek the Lord. Et de persévérer, de chercher le Seigneur. And with every person I have met who has continued the journey. Et avec chaque personne qui a continué sa marche. They begin learning. Ils apprennent. Most of the things we speak about here. Beaucoup de choses dont on parle ici will remain simply facts until we begin to walk that path. Et sont simplement des faits, mais on va commencer dans ce chemin. Then they begin to become practical lessons, not being taught by man, but God moving us through them. Ils deviennent des leçons pratiques, non pas enseignées par des hommes, et Dieu nous aide à cheminer. And as we go through them, et alors qu'on passe par ce chemin, our lives begin to form into the vessels God wants to use. Nos vies sont façonnées dans les vaisseaux que Dieu aimerait faire. In that kind of anointing. Dans cette onction. So I beg you. Dans les vases, pardon. Alors right from the beginning. Alors je vous demande depuis le début. To go away with this attitude. De partir dans cette attitude. It's not about how you know how to pray. Il ne s'agit pas seulement comment prier. Bible says, la Bible dit, we don't know how to pray. Nous ne savons pas comment prier. As we should pray. Comme nous devrions le faire. So if you think you don't know how to pray, thank God you're normal. Alors si vous ne savez, pensez que vous ne savez pas prier, remerciez Dieu, vous êtes normal. Normal people don't know how to pray. Non, des gens tout à fait normaux qui ne savent pas comment prier. Amen. But go away knowing if he calls me, then I can get there. Mais si il m'appelle, je peux y aller. Amen. Amen. By the way, I didn't tell you. Hallelujah. God is good. When the Lord began to speak to us in this wave to start to call the whole nation to prayer. Lorsque Dieu nous a parlé d'appeler toute la nation à la prière. As I said, we didn't have a crisis, we didn't have an Idi Amin there. Il n'y avait pas de crise à ce moment-là, il n'y avait pas Idi Amin. We had AIDS. On avait le sida. But it was not biting in the kind of way that would push people into prayer. Mais ça ne mordait pas au point où ça nous pousserait à prier. It was like a depressing cloud on the land. C'était comme un nuage de dépression sur le pays. And it was not enough to really charge people to get so desperate to pray. Et ça ne suffisait pas pour stimuler les gens à prier d'une manière désespérée. Even the healings of AIDS, which happened later. Même les guérisons de personnes atteintes de sida qui ont lieu plus tard. They came out of the developed prayer movement, not as a cause of the prayer movement. Sont sortis du développement du mouvement de prière, mais pas comme une cause. So what was the real cause of the current movement of prayer that is in the land? Alors quelle est la cause du mouvement de prière qui a eu lieu? Just the prophetic calling. L'appel prophétique. God speaking out to the nation. Dieu parle aux nations. And there have been people willing to take up the prophecy. Il y a des gens qui ont pris cette prophétie. In the prophecy, the Lord said to us. Et dans la prophétie, le Seigneur nous a dit. For more than 10 years. Pour plus de 10 ans. I've been calling this nation to prepare.
J'ai appelé cette nation à se préparer. I brought people from many other countries and they prophesied to you. J'ai amené des prophètes d'autres nations et ils ont prophétisé. And I've used people from within the country to prophesy to the land. Et j'ai utilisé des prophètes du pays. And now I want you to know. Et maintenant j'aimerais que vous sachiez. The things that were prophesied. Les choses qui ont été prophétisées. Their time has come. Le temps est arrivé. But the nation is not ready. Mais la nation n'est pas encore prête. The time of fulfillment has come, but the nation is not ready. Le temps d'accomplissement est arrivé, mais la nation n'est pas prête. And the Lord said, if I pour out my spirit now, si je déverse mon esprit maintenant, my spirit will bring conviction of judgment, righteousness, and sin. Mon esprit apportera la conviction de jugement, de péché et de justice. And said, you have a short time. Vous avez un temps court to make a decision. Pour faire une décision. What you want my spirit to do? Qu'est-ce que vous voulez que mon esprit fasse? To bring judgment on the land, qu'il apporte le jugement sur le pays, or to bring revival. Ou qu'il conduise au réveil. Because when my spirit comes, parce que lorsque mon esprit vient, it deals with the land in justice. Parce qu'il traite le pays selon sa justice. If the land is full of sin and there's nothing being done, my spirit deals with sin. Si le pays est rempli de péché et rien n'est fait, l'esprit s'occupe du péché. And the Lord showed us, but if you begin dealing with the sin of the land, then my spirit brings forgiveness and restoration. Et si vous traitez la question du péché dans le pays, mon esprit apporte le pardon et la restauration. He said, but in the past, mais dans le passé, every time the word of prophecy has been spoken on the land, chaque fois que les prophètes parlaient sur le pays, you have rejoiced, vous vous êtes réjouis, clapped your hands, vous avez applaudi, at how good God is, sur la bonté de Dieu. And what wonderful plans he has for the et land. Quel plan merveilleux il a pour le pays. But that is where you stop. Mais c'est là que vous vous êtes arrêté. No prayer to give birth to it. Pas de prière pour enfanter la chose. And even sometimes when people begin to pray, et même quand les gens se mettaient à prier quelquefois, they wear out quickly. Ils s'usent rapidement. They get tired. Ils sont fatigués. Because they focus in the wrong places. Parce que leur attention est au mauvais endroit. Says, but this time, mais cette fois, call my people to pray. Appelle mon peuple à prier. This the priority. Et que ce soit la priorité. Come and meet with me. Venez rencontrer, me rencontrer. I will prepare you to become a nation, the nation I want you to be. Je vais vous préparer pour que vous deveniez la nation à laquelle vous êtes appelé. And God gave us so many promises. Et Dieu nous a fait tant de promesses. Of what will happen de ce qui se produirait if we will pray. Si nous prions. As he directs and guides us. Alors qu'il nous dirige et nous guide. Promises in every sphere of life. Des promesses dans toutes les sphères de la vie. Some of them were too good even to believe. Certaines étaient trop bonnes pour les croire. But there they were. Mais elles étaient là. And then he said to us. Et ensuite il nous a but dit. But if you will not heed the calling. Mais si vous ne répondez pas à l'appel. This is what will happen in the land. Voici ce qu'il se produira dans ce pays. And he gave us a lot of negative things that will happen if we will not answer the call. Et il nous a donné un tas de choses négatives si nous n'allions pas répondre à cet appel. So we had a choice. Alors on avait un choix. Whether to answer the call or not to answer the call. De répondre à l'appel ou de ne pas y répondre. But whichever way we chose, there were things to look out and expect. Mais quelle que soit la direction que nous prendrions, il y avait des choses à s'attendre. When we began to mobilize the nation to pray, lorsqu'on a commencé à mobiliser la nation dans la prière, it was not easy. Ce n'était pas facile. There were lots of suspicions about our motives. Il y avait de la suspicion au sujet des motifs. There were lots of divisions in the churches. Il y avait des divisions dans les villes et dans les églises. So if this pastor welcomes you, alors si le pasteur vient vers toi, it's a direct sign the others have nothing to do with you because they have nothing to do with him. Alors d'autres ne viennent pas parce qu'ils veulent rien avoir à faire avec ce pasteur. So, sometimes we would go into a city. Quelquefois, on va dans une ville. Be welcome today. Sois le bienvenu aujourd'hui. The next time you come back, you're not welcome. Et puis la fois suivante, on vient, on n'était pas les bienvenus. Sometimes you go into a city. Et quelquefois, on allait dans les villes. And the pastors gather together. Et les pasteurs se rassemblent. And you spend hours. Et on passait des heures just avec eux. Just answering questions. Juste à répondre à leurs questions. Why? Pourquoi? How? Comment? What do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire? Then they say, okay, go. Et on revient. We'll think about it. On va aller et puis on va réfléchir dessus. And then they call you another time. Et ensuite ils vous rappellent une autre fois. And you think you're going forward. Et vous pensez que vous allez aller you de l'avant. Go back to the same questions. Et on refait la liste des mêmes questions. But the Lord told us, humble yourselves. Mais le Seigneur nous a dit, humiliez-vous.
And speak out what I've told you. Et dites les paroles que je vous ai dit de dire. I will break them gradually. Je vais les briser graduellement. But all along there were people who were beginning to pray. Il y avait des gens qui se mettaient à prier. And we did not focus so much on how good our prayers were. Et on faisait pas tellement attention à combien nos prières étaient bonnes. Or even on how big our faith was in the promises God had given us. Ou dans la taille de notre foi dans les promesses que Dieu nous avait données. It was just one little area of faith. Il y avait juste un petit domaine de foi. Hebrews chapter 11. Hébreux chapitre 11. Verse 6. Verset 6. It says. Il est dit. Without faith. Sans la foi. It's impossible to please God. Il est impossible de plaire à Dieu. But whoever comes to seek the Lord. Mais celui qui recherche le Seigneur. Must believe that God exists. Doit croire que Dieu existe. And is the rewarder of those who seek Him. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Simple faith. La foi simple. Lord, we don't have the faith to believe for the promises you've given us. Seigneur, on n'a pas la foi pour croire toutes les promesses que tu nous as données. But we are coming to seek you. Mais on vient pour te chercher. And we know you are the rewarder of those who seek you. Et on sait que tu récompenses ceux qui te cherchent. In Isaiah 45, it says. Dans Isaïe 45, il est dit. I have not spoken in secret to Jacob. Je n'ai pas parlé en secret à Jacob. To seek me for nothing. Pour qu'il me cherche pour rien. God does not expect us to seek Him for nothing. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on le cherche pour des prunes. And if I can expect men to be faithful. Et si je peux m'attendre à ce que l'homme soit fidèle? Why can't God be faithful? Pourquoi est-ce que Dieu ne serait pas fidèle? If men keep contracts. Si les hommes gardent leurs contrats. What about God? Qu'en est-il de Dieu? I mean, we had to bring ourselves to that very simple faith. Et on est arrivé à cette toute simple foi. Let's seek the Lord. Cherchant le Seigneur. Because he's not unfaithful. Parce qu'il n'est pas infidèle. To deny us. Pour nous renier. It's just that simple. Aussi simple que ça. And we told sometimes people said, how do we know the things will come to pass? Et comment est-ce quelquefois on nous pose la question, comment est-ce qu'on va savoir que ces choses vont s'accomplir? And we just had to stand on the character of God. Et on en s'est juste appuyé sur le caractère de Dieu. Because God is faithful. Dieu est fidèle. Let us not seek the things. Ne recherchons pas les choses. Let us seek to meet with him. Cherchons à le rencontrer lui. That is what he told us to bring people to. C'est ce à quoi il nous a dit. And when people begin meeting with God, de travailler, quand les gens se rencontraient avec Dieu, their lives begin to change. Leur vie se mettait à changer. And they begin to see what God sees. Ils commençaient à voir comment Dieu voit. And to feel what God feels. Et sentir ce que Dieu sent. And they are captured. Et ils étaient captivés. I see people today in leadership in our country. Je vois des personnes en position de responsabilité dans notre pays. 5 years ago, were not even leaders or pastors at all. Qui étaient il y a 5 ans pas des leaders ou des pasteurs. But in every city. Mais dans chaque ville. Almost all the people who took up the call. Toutes les personnes qui ont saisi ce almost appel. Almost all of them have become recognized leaders today. Aujourd'hui, presque tous, on sent des leaders reconnus. Just by answering the call. Simplement en répondant à l'appel. God has worked so many things in their lives. Today, they are recognized leaders. Dieu a tellement travaillé dans leur vie qu'ils sont des responsables reconnus. In many different manifestations. Dans beaucoup de manifestations différentes. And where was the call, the answer to the call, to begin? Où devait commencer la réponse à cet appel? With those who are pastors. Pour ceux qui sont pasteurs. The call was open the church building. L'appel c'était ouvrez le bâtiment de l'église. Declare the church building to become a house of prayer. Déclarez que votre église est un lieu, une maison de prière. Make a program where prayer is not for the prayer group, it's for the congregation. Faites un programme où la prière n'est pas pour les groupes de prière, mais pour l'assemblée. The vision was create praying congregations, not congregations of prayer groups. La vision c'était qu'il y ait une assemblée qui prie et pas des groupes de prière qui prient. Let there be at least the time when the whole church is being called to engage in prayer on a regular basis. Il y a des moments où toute l'église est appelée à la prière sur une base régulière. And let prayer not be seen as a sideline thing. Let it be made an important part of our lifestyle as Christians. Que la prière ne soit pas un à côté, mais une partie importante de notre style de vie en tant que chrétien. And the most important issue is. Et le sujet le plus important. Not just to focus on problems around us. N'était pas de se concentrer sur les problèmes autour de nous. But to remember. Mais de se souvenir. God has got a plan for our nation. Dieu a un plan pour notre nation. God has got thoughts for our land. Dieu a des pensées pour notre terre. And if we
we shall seek him with all our hearts, et si nous le cherchons de tout notre cœur, we shall find him, on le trouvera. And he will release those plans, et il va libérer ses plans into fulfillment, pour qu'ils s'accomplissent. And encouraging every person, et en encourageant chaque personne, that if God has got a plan for the land, si Dieu a un plan pour le pays, God has got a plan for you. Dieu a un plan pour toi. Because you are in the land. Parce que toi, tu es dans le pays. Not by mistake. Pas par erreur. God determines the exact places where people shall live. Dieu a déterminé la place exacte où chacun doit vivre. So if you are in the land, si nous sommes dans le pays, God has planted you in here, Dieu t'a planté ici. And he has a plan for the land, et il a un plan pour le pays. You have a role to play in et tu as un rôle à jouer dans ce pays. You have a part in the plan of God for the land. Et tu as une partie. If you begin to see God, si tu commences à chercher Dieu, and to take responsibility for your land, et tu prends tes responsabilités pour God le pays, God is going to weave you into what He's doing in the Dieu land. Va te tisser dans ce qu'il est en train de faire. And we began telling people, et on a commencé à dire aux you gens, don't have to be a pastor, t'as pas besoin d'être or un pasteur, a church leader or spiritual leader, ou un responsable d'église. You are God's man, God's woman, where He has planted you. Tu es un homme ou une femme de Dieu là où il t'a planté. Do you work in the bank? Tu travailles à la banque? You are the one God has there. Tu es celui que Dieu utilise là-bas. Do you work in the parliament? Tu travailles au Parlement. You are the one God has there. Tu es l'outil de Dieu là-bas. Suddenly, people realized, soudainement, les gens réalisent God was depending on them. Dieu dépendait d'eux. And in simple faith, et dans une foi simple, they began to step out, ils ont commencé to speak to others. À s'avancer, à parler aux autres. That is how prayer started. Et c'est comme ça que la prière we a commencé. Prayer in every bank. On prie dans toutes les banques. We have prayer in every company, on a une prière dans toutes les entreprises, in the parliament, au Parlement, in the president's office, et dans le bureau du président, in the cabinet, dans le cabinet. Our cabinet and our parliament cannot sit to discuss national matters before they pray. Et notre cabinet, le Parlement, ne peut pas discuter des éléments principaux sans avoir prié. But it started just 2 years ago. Et ça a commencé il y a 2 ans. Where Christians realized where I work, where I live, where I interact, I can bear the torch of the Lord. Et les chrétiens ont commencé à réaliser là où je travaille, là où je marche, là où je vis, je peux porter la torche du Seigneur. So it starts by pray for those people you interact with. Alors commencez à prier pour les gens avec lesquels vous avez des then interactions. Begin to talk to them. Commencez à leur parler. Invite them for a cup of tea. Invitez-les pour une tasse de thé ou de café. If you can't explain things, get a tape and put it in. Let them listen to et it. Si vous n'arrivez pas à expliquer les choses, faites-leur passer une cassette but et qu'ils do écoutent. Something. Do something. Mais faites quelque chose. Fill the land with altars of prayer. Remplissez le pays de prières. And then, et ensuite, above all, par-dessus in tout, your home, dans vos maisons, establish an altar of prayer. Faites un autel de prière. And declare to God, from today, this house is a house of prayer. Et déclarez à Dieu, à partir d'aujourd'hui, cette maison est une maison de prière. It's not enough for us to leave this place and go away. C'est pas suffisant de quitter cette pièce, enfin cette place. Wait upon the pastors to establish a house of prayer for Yverdon. Et s'attendre à ce que les pasteurs établissent une maison de prière pour Yverdon. What about your house? Qu'en est-il de ton foyer? When are you going to start? Quand est-ce que tu vas commencer? The pastor is not going to come in your home. Le pasteur va pas venir dans ta and maison. And establish a prayer altar there. Et va établir un autel de prière là-bas. Commitment starts with you. L'engagement commence avec toi. Will you go home? Est-ce que tu rentrerais pas chez toi? And establish a prayer altar. Et en établissant un autel de even prière, if you are alone, même si tu es tout seul, I've seen even children, et j'ai vu même des enfants, young girls and boys in secondary school, des enfants au collège, they come away charged with the fire, et ils reviennent en feu. They say, I want to see the glory of God. Je veux voir la gloire de Dieu. I want to see the power of God. Je veux voir la puissance if de Dieu. God says the time of fulfillment has come, I want to see this si thing. Dieu, le temps d'accomplissement est arrivé, je veux le voir. They go home, ils rentrent chez eux. Parents unbelieving, les parents sont incroyants, or even believing but not given to prayer, ou bien même croyants mais pas adonnés à la prière. They get in their house, in their rooms, ils vont dans leur maison, dans leur chambre, down, ils s'agenouillent, raise their hands to the Father, lèvent leurs mains vers le Père, and make a covenant with God, et font alliance avec lui. The Father, Père, I choose to be priest for my nation. Je choisis d'être prêtre pour ma nation. You can depend on me. Tu peux compter sur moi. Because I choose to trust you. Parce que j'ai choisi de te faire confiance. Every day, chaque jour, I will endeavor to appear before you. Je vais venir devant toi. On behalf of my nation. Pour ma nation. Every day, chaque jour, I will endeavor to lift up my land. Je vais élever ma nation. Together with my life. Et te donner ma vie. So, Lord, trust me with your issues, with your with things on your heart. Alors Seigneur, fais-moi confiance avec les choses qui sont sur ton cœur. And they begin to pray. Et ils commencent à prier. And with time, et dans peu de temps, their parents begin to come in.
les parents commencent à venir. They begin to talk about prayer. Où ils commencent à parler de prière. Because these children are praying their parents into prayer. Parce que ces enfants prient pour que leurs parents se mettent à prier. And it's not just enough to say, oh Lord, make my parents pray, make my parents pray. C'est pas suffisant de dire, Seigneur, fais que mes parents prient, fais que mes parents prient. God wants them to pray. Dieu veut qu'ils prient. Yes. Oui. But they are not praying. Mais ils ne le font pas. Why? Pourquoi? They make a list. Et ils font une petite liste. What are the reasons my parents are not praying? Pour les raisons pour lesquelles mes parents ne prient pas. What are the reasons we don't have prayer in this home? Pour quelles sont les raisons pour lesquelles il n'y a pas de prière dans cette maison? And they go with that to God. Et ils vont avec ça vers Every Dieu. Every day. Chaque jour. Oh God. Oh Dieu. Oh God. Oh Dieu. You want us to pray. Tu veux qu'on prie? This is a house of prayer. Ça c'est une maison de prière. Lord, I've dedicated it to you. Je te l'ai consacré. Because I'm a man among them. I'm one among them. I have the authority. Et comme je fais partie d'eux, j'ai cette autorité aussi. To give you a patch in this home. Que tu aies ta part dans cette maison. I'm not a foreigner in this home. Je ne suis pas un étranger dans cette I maison. Have a place in this home. J'ai une place dans cette And maison. I give you my part. Et je te donne ma part in this home. Dans cette maison. But Father, Mes pères, there are obstacles. Et ce sont des obstacles. Look at this. Regarde ça. Look at this. Regarde ça. They begin to lift those issues Et up. Commence à porter ces sujets au And Seigneur. We told people, Et nous avons dit aux gens, As you talk with God, alors que vous parlez avec Dieu, don't only tell him what you think. Ne dites pas seulement ce que vous pensez. Remember, Souvenez-vous, his thoughts are far different from your thoughts. Ses pensées sont loin des nôtres. And his ways are different from your ways. Et ses voies sont loin des nôtres. And his plans are not your plans. Et ses plans, ce ne sont pas nos plans. So if the issue is not trying to convince God so much to do what you think is the right thing. Alors la question, c'est pas tellement de convaincre Dieu que Dieu fasse ce que vous pensez. The issue is Present your case. Mais de présenter votre cas. Plead your case. De plaider votre cause. Reason with God. De raisonner avec Dieu. Just put it there. De le placer devant and lui. And sometimes we just cry and say, oh God, I'm praying for understanding. I wish I could understand. Et quelquefois on prie, Seigneur, donne-moi la compréhension. Je souhaiterais comprendre. My parents love you. Why can't they pray? Mes parents t'aiment, mais pourquoi est-ce qu'ils ne prient pas? I seek to understand, oh God. Je cherche à comprendre, Seigneur. Father, according to their own thinking or explanations. Et selon leurs explications. This is what they say. Voilà ce qu'ils me Maybe disent. They are too tired. Peut-être ils sont trop fatigués. Maybe there's no time. Peut-être il n'y a pas de Bring temps. Bring those issues to God. Apporter ces sujets au Seigneur. God, this is what we are saying as people. Voilà ce que nous disons en tant que peuple. But Father, you must have a way out. Mais Père, tu dois avoir une solution. Otherwise, you can't call us to do what is impossible. Sinon, tu peux pas nous appeler à faire des choses impossibles. Oh God. Oh Dieu. Give a word into our circumstances. Donne-nous une parole dans notre situation. And sometimes the very excuses we are presenting. Et quelquefois les excuses même que nous présentons. The word of God comes. La parole de Dieu vient. If I say I don't have the time. Si on dit on n'a pas le temps. The Lord may remind me. Le Seigneur peut me rappeler. He is the creator of time. Qu'il est le créateur du temps. He's the one who gives me the 24 hours every day. C'est lui qui me donne mes 24 heures chaque jour. Of which I tell him I don't have time. Et puis alors je peux pas lui dire j'ai pas le temps. And that brings me to a place of saying, "Oh my God, forgive me." Et ça m'apporte, ça m'amène à la repentance et dire, Something Dieu, pardonne-moi. Must be wrong. Quelque chose doit être de travers. So, and when I reach the point of knowing, yes, something is wrong with my attitude. Et lorsque j'arrive au point où je me dis quelque chose est faux dans mon attitude. Then I can begin to pray about my attitude. Alors je peux commencer à prier au sujet de mon attitude. God, forgive me for my attitude. Dieu, pardonne-moi pour mon attitude. The way I use time. La manière dont j'utilise This le temps. This is a sinful way of my using time this way. C'est une manière pécheresse d'utiliser le temps. You give me time. Tu m'as donné le temps. Every day an equal package of time. Tous les jours le même paquet de temps. But Lord, I don't use it. Mais je ne l'utilise pas de manière profitable, Seigneur. I'm no longer praying, oh God, make me pray. Je ne prie pas, Seigneur, fais-moi prier. Now I'm praying about my attitude to time. Mais je prie concernant mon attitude face Soon au temps. I begin to say, Lord, what is the right attitude I should have to my time? Seigneur, quelle est la bonne attitude que je devrais avoir face au step temps? By step, et pas après I pas. Begin to see possibilities. Je commence à voir des possibilités. I begin to see changes I can make. Je vois des changements que je peux opérer. I begin to see ways I can make my time available for God. Et je peux voir des manières de me rendre disponible But pour many Dieu. Times, Mais souvent, it means losing out on something I think is precious to me. Ça représente aussi de perdre quelque chose qui me paraît And précieux. Usually there's a struggle there. Et quelquefois, il y a une petite tension. There. Il y a une bataille. Oh God. Oh Dieu, I want to do it. J'aimerais faire cela. But how do I balance this? Mais comment est-ce que je trouve l'équilibre? But as we continue struggling, et alors que nous continuons à batailler, at one point you realize, à un moment donné, on réalise the issue is not
deciding between this and this and this. Le sujet, c'est pas de décider entre ceci, ceci et cela. What should be in your program. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans ton programme? Suddenly the issue comes down. On arrive ensuite au ras des pâquerettes. Whom do you love most? Qui est-ce que tu aimes le plus? What is your idol? Quelle est ton idole? Now this, you can look at these things mentally. On peut regarder mentalement ces choses. But when you do this in prayer, mais quand vous faites cela dans la prière, there is a power. Il y a une prière, une puissance. In every realization which is coming your way. Et vous allez réaliser que vous arrivez à suddenly, trouver un chemin. You realize you are in idolatry. Vous réalisez que vous êtes dans l'idolâtrie. You have idols you're placing before God and are pleading with Him to accept your idol. Et il y a des idoles que vous mettez en face de Dieu. Vous plaidez qu'il accepte vos idoles. But in the place of prayer, mais dans la prière, it comes with power. Ça vient avec puissance. And when it comes through, et quand ça se produit, usually it cuts the heart. Ça coupe, ça nous tranche le cœur. The response is, oh my God. Oh my God. Et la réponse c'est oh mon Dieu, forgive me. Pardonne-moi. I want only you as my God. Je te veux toi seul comme Dieu. And there comes a moment when you say, all right Lord, let your will be done. I don't mind what it is, what it's going to be, but I want you and I want your way. Et à un moment donné on dit que ce soit ta volonté qui soit faite. It's like breaking. C'est comme quand on est brisé. It's surrender. C'est l'abondant. It's dying to the old to live to the new. C'est mourir aux anciennes choses pour vivre pour les nouvelles. And it's surprising. Et c'est surprenant. That many times when we reach that point. Quand si on arrive à ce point-là. Then God can open our eyes to see. Dieu peut ouvrir nos yeux pour qu'on voit. A better arrangement of time. Un meilleur arrangement du temps than the one we thought we could work out. Que celui qu'on pensait au départ. He begins to order it in his way. Il commence à mettre de l'ordre dans sa manière. But mais something has happened. Quelque chose s'est produit. Every time you reach that point of contention, chaque fois qu'on arrive à ce lieu de where in the spirit you feel I know the truth, but my goodness, oh Lord, is there no other way? Quand il y a cette tension, on sait, je sais la vérité, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une autre manière de faire les choses? Sometimes you feel frustrated with yourself. You say, I'm good for nothing. How can I think like this and desire things like this? Quelquefois, on est frustré, on se dit, oh, comment est-ce que je peux même penser comme cela? Don't be discouraged. Ne soyez pas découragé. When you feel unworthy. Quand vous vous sentez indigne, in prayer, dans la prière, thank God, remerciez Dieu. Only the Holy Spirit can make you feel like that. Seulement le Saint-Esprit peut vous rendre comme He's ça. Convicting you about something. Il est en train de vous convaincre de quelque chose. Don't worry if you don't see your way out. Ne vous souciez pas si vous ne trouvez pas les issues. Keep there, keep there. Restez là, restez là. The Bible says, la Bible dit, those who wait upon the Lord ceux qui s'attendent au Seigneur shall have their strength renewed. Renouvelleront leur force. Even the youth will fail. Même les jeunes gens se fatiguent. The mighty will fail. Les puissants vont connaître l'échec. Those who wait upon the Lord, mais ceux qui s'attendent au Seigneur will have their strength renewed. Seront renouvelés dans leur force. They'll run, ils courent not grow weary. Et ne se fatiguent pas. They walk and not get tired. Ils marchent et ne se lassent pas. They'll soar high like eagles. Ils prennent leur envol comme l'aigle. So don't get frustrated. Alors ne soyez pas frustrés. Simply because you feel. Simplement parce que vous sentez, parce que vous n'êtes pas digne, you're not able, vous n'êtes pas capable. Just keep remembering. Souvenez-vous, my father loves me. Mon père m'aime. He has got thoughts about me. Il a des pensées à mon sujet. He has got plans about this Il a land. Des plans pour ce pays. And I'm part of the plan. Et je fais partie de ce plan. But the reason I'm struggling mais la raison pour laquelle je bataille is because the land has got lots of strongholds. Le pays a des forteresses. Which strongholds have me in certain ways under their grip. Et ces forteresses me tiennent prisonnier. And in some way, d'une certaine manière, my mind, my way of thinking, et ma manière de penser, is captive to the influences in the land. Ma manière de penser est captive de l'influence qu'il y a sur le pays. I pray to change the land, alors que je prie pour qu'il y ait un changement dans le pays, I experience this struggle in me. J'expérimente ces tensions en moi. The struggle is normal. Cette tension est normale. It must happen. Il faut que ça se produise. Because you are taking back the land. Parce que vous êtes en train de reprendre le But pays. You are part of the land. Et vous faites partie du pays. So in a way the struggle starts with you. Dans une certaine manière, cette tension commence avec vous. God is taking you out of the grip that is in the land. Dieu vous fait sortir de l'emprise qu'il y a sur le pays. This resistance you feel, this weakness, this failure you cette feel. Résistance que vous sentez, la Don't faiblesse be que vous discouraged. Sentez. Ne soyez pas découragés.
encourager. That is the influence in the land. C'est l'influence qu'il y a sur le pays. But now you're beginning to pray yourself out of that into the will of God. Mais vous priez pour que vous puissiez sortir de cela et entrer dans la volonté so de Dieu. The key thing to focus upon. Alors la clé sur laquelle il faut mettre notre attention is ici. To pray into surrender to God. C'est prier pour qu'on puisse s'abandonner à Dieu. And usually. Et habituellement. There's an attitude that can help you. Il y a une attitude qui peut nous aider. That is to say to God. C'est de dire à Dieu. Every time you come before him. Chaque fois que vous venez devant lui. Father. Père. There are so many things I want to pray about. Il y a tant de choses pour lesquelles j'aimerais prier. And there are issues I'm dealing with myself. Et il y a des sujets avec lesquels je dois batailler moi-même land. Et avec le pays. But above everything. Mais par-dessus tout. I want to see you. Je veux te voir. I want to meet you. Je veux te rencontrer. I want to touch your presence. Je veux toucher ta présence. I want your presence to envelop me. J'aimerais que ta présence m'enveloppe. Father, et Père, whatever it takes, quoi que soit le coût, whatever the cost, peu importe combien quel help est le prix, me aide-moi to present your presence. D'insister jusqu'à ce que j'arrive dans ta présence. So there are times you reach in prayer, alors la tension que vous avez dans la prière and you feel everything within you saying, no, et que tout en vous dise non, I can't do it. Je ne peux pas le faire. I can't. Je ne peux pas. At that moment, à ce moment-là, tell God. Dites à Dieu. Tell him the truth. Dites-lui la vérité. Speak the truth. Dites la vérité. Don't pretend. Ne soyez pas prétentieux. Don't explain it and make excuses. N'expliquez pas et ne faites pas des excuses. Tell him, Lord. Dites-lui. This is how I feel. Voilà comment je me sens. This is how I feel. Voilà comment je me sens. But you know my heart, Lord. Mais tu connais mon cœur, Seigneur. In my innermost parts, I desire you. Au plus profond de moi, je te désire. I'm hungry for you. J'ai faim de toi. My heart thirsts to come into your presence. Mon âme a soif de venir dans ta oh présence. God, oh Dieu. Show me a way out. Montre-moi une issue. Whatever it takes. Peu importe ce que whatever ça doit coûter. Quel qu'en soit le coût. That word I'm speaking, that phrase, cette phrase, whatever it takes, quel qu'en soit le coût, is the key. C'est la clé. Is the key. C'est la clé. You tell God, Lord, dites au Seigneur, you know I'm weak, je suis faible, but whatever it takes, mais quel qu'en soit le coût, carry me through, permets-moi de passer draw à travers, me. Attire-moi à toi. It says in the book of Psalm 68, au psaume 68, il est écrit, that my soul pursues after God. Mon âme recherche Dieu, poursuit Dieu. But his hand upholds me. Et mais sa main me retient. Beloved, bien-aimé, the key, la clé to seeing, to getting into God's presence, pour entrer dans la présence de Dieu, is how hungry you are. C'est à quel point vous êtes affamé de lui, vous avez faim de lui. How thirsty you are. Combien est-ce que vous avez soif de lui? And let me tell you something. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Hunger for God, la faim de Dieu, is not man-made. C'est pas quelque chose qui est issu du cœur de l'homme. You can't produce it. On ne peut pas le produire. It's given of God. C'est donné par Dieu. And it starts small. Et c'est petit. It starts weak. C'est faible. It starts with a yearning. C'est cette aspiration. You just feel, oh my God. Où on sent, oh mon Dieu. I wish I could also press him. J'aimerais tellement pouvoir atteindre le but. I wish I could also feel that presence come upon me. J'aimerais tellement sentir cette présence qui vienne sur and moi. When you feel this yearning, et quand on sent cette, it may be small, cette aspiration, but c'est that petit, is a gift from God. Mais c'est un don de Dieu. It's a gift from God. C'est un don de Dieu. It's God's way of drawing you. C'est la manière de Dieu de vous attirer. So when you begin to pray, alors quand on commence à prier, focus in that area. Mettez votre attention sur ce domaine-là. Don't focus so much on what you are going to say. Ne faites pas attention à ce que vous allez dire. Sometimes there are no words. Quelquefois, you go to pray, vous allez prier and you feel it there. Et vous sentez. But there are no words to say it. Mais il n'y a pas de paroles pour les dire. When you try to say it, the words are robbing it of its meaning. Et lorsque vous dites les choses, les mots sont trop faibles. Then don't speak. Et ils ne parlent pas. Don't say it then. Ne parlez pas, ne dites rien. But focus on it. Mais mettez votre attention dessus. God understands the language of the heart. Dieu comprend le langage du cœur. You know Ezra in the Bible? Esdras dans la Bible. When he heard about the intermarriages. Lorsqu'il y a eu les mariages intercommunautaires. He sat down. Il s'est assis. And sat down. Il s'est assis. He didn't speak. Il n'a pas parlé. He sat down. Il s'est assis. He tore his clothes. Il a déchiré ses vêtements et s'est assis. Until evening. Jusqu'au soir. But deep inside, there was something going on in him. Mais en dedans de lui, il y avait un bouillonnement. What have we done?
Qu'est-ce que nous avons fait? How does God see us? Comment est-ce que Dieu nous voit? Oh, God, oh there Dieu, was a way, s'il y a une issue, we can reconcile. Où il peut y avoir une réconciliation. There was a groaning deep within. Il y avait un gémissement au fond a de groaning lui. He could not speak. Un gémissement qu'il ne pouvait pas exprimer. But he allowed it to grow. Mais il a permis que ça puisse grandir. Until the right, when it was ready to come out. Et jusqu'à ce que ce soit prêt à sortir. And he made such a wonderful prayer. Et il a fait une prière si extraordinaire. You can go back and read it in the scriptures. Vous pouvez y retourner, le lire dans l'Écriture. Like a prayer of humility. Une telle prière d'humilité. Begging God, please. Une telle prière d'humiliation. Please. S'il te plaît, Seigneur. Bien-aimé. Your canon, your physical body is not what really prays. Votre corps physique, ce n'est pas ça qui prie. It's that inner man. C'est l'homme intérieur. So always focus on the inner man. Alors, mettez votre attention sur l'homme intérieur. And when you begin to pray, et alors qu'on commence à prier, let's say after hearing the word, après avoir entendu la parole, like you're sitting there, comme lorsque vous êtes assis you know, ici, the times you're hearing the word, quelquefois on entend la parole, vous and savez, deep, deep inside, et au-dedans de nous, profondément, something begins to stir. Il y a quelque chose qui se commence à like remuer. Melting deep inside. C'est comme s'il y a quelque chose qui fond. It's like a deep cry. Il y a un cri intérieur profond. And sometimes when they say, "Let us now pray," et quand on dit ensuite, on va prier. When you begin to pray, quand on commence à prier, it's like two people. C'est comme deux personnes. The one inside is passionate. The one outside doesn't say it. Et il y a la passion au fond du cœur, et puis il y a l'autre personne qui exprime les choses, mais how c'est many people understand what I'm talking about? Wave to me. Qui comprend ce que je dis? Faites-moi un signe. You understand that? Vous comprenez cela? And you know what we do? Et vous savez ce que nous faisons? We rise up. On se lève. We begin to speak. On commence à parler. And we listen to ourselves. Et on écoute le son qu'on émet. We are taking our focus away from what the Holy Spirit has already been doing inside, and we are now coming back to our ability. Et on détourne notre attention de ce que le Saint-Esprit fait à l'intérieur, et on se concentre sur nos capacités. But when you come, mais lorsque vous venez. Let's say the word has stirred your heart. Dieu comprend votre cœur. And you rise up to pray. Et vous levez pour don't prier. Take your focus. Ne mettez pas votre attention away from that place. Loin de cette place-là. Don't put your focus on the words. Ne mettez pas votre attention sur les mots. Don't put your focus on how you say things. Votre attention sur la manière dont vous formulez focus les choses. On the inside, that working of the Holy Spirit which has started within. Mais sur le travail du Saint-Esprit qui se fait à l'intérieur. If you are able to speak in tongues, si vous parlez en langue, speak in tongues. Parlez en langue. But for goodness sake, don't listen to yourself. Mais s'il vous plaît, ne vous écoutez pas. Priez. Focus there. Mettez votre attention focus là-dessus. Mettez votre attention sur le travail que le Saint-Esprit fait déjà à l'intérieur. Able, et si vous n'êtes pas capable de le faire, quelquefois, I don't know, maybe this is me. Peut-être c'est moi, je ne sais the pas. I come to pray, quelquefois je vais prier and I begin to talk to him, et je commence à lui parler. I say, Father, Père, oh, Father, oh Père, God of heaven and earth. Dieu du ciel et de la terre. I feel I'm not making contact. Je sens qu'il n'y a pas de contact qui est établi. And sometimes you may find yourself, it's almost like, et quelquefois c'est comme It doesn't mean much, but in the spirit you feel when something wants to come out, when something wants to be expressed, ça, but there are no words for it. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais dans l'esprit on sent qu'il y a quelque chose qui a envie de sortir. Oh mon Dieu. Be convinced about this one thing. Si on est convaincu de cela, prayer starts inside. La prière commence à l'intérieur. God starts working from inside. Dieu travaille de l'intérieur. And when we allow that thing inside, et lorsqu'on permet à cela, à l'intérieur de nous, de grandir, increase, de grandir, increase, de grandir, it eventually consumes us. Et éventuellement ça nous consume. Now, when we start praying, quand nous commençons à prier, on commence de l'extérieur. It feels empty. Ça sonne creux. It feels meaningless. Ça n'a pas de signification. Boring. Ennuyeux. And our thoughts are moving. Et nos pensées se baladent partout. But our focus should be, mais notre attention devrait don't be distracted. Ne soit pas distrait. Focus in the, what the Holy Spirit has already been doing inside. Mettez votre attention sur le travail que le Saint-Esprit fait à l'intérieur. Even when we have been worshiping, même lorsque nous adorons le Seigneur, like the team was leading us here, que l'équipe nous conduit, the times you worship, quand vous adorez le Seigneur, and in your heart you feel this, that, oh, dans vos cœurs, vous sentez qu'il y a cette révérence. God,
sur la grandeur de when Dieu. You begin to pray, quand vous commencez à prier, many times we seek you from inside and we begin to talk with outside. Commence à débrancher, à déconnecter, à parler avec quelqu'un d'autre. If you've been worshiping, si vous adorez le Seigneur, and you feel that awe of God, that impression about God, et vous sentez cette impression, cette révérence face à la grandeur de Dieu. Only the Holy Spirit is doing that. C'est seulement le Saint-Esprit qui fait ça. So you begin to pray, alors quand vous commencez à prier, ne mettez pas votre attention sur ce que expriment vos lèvres et sur la bonne manière dont elles peuvent dire les choses, focus there. Mais mettez votre attention à l'intérieur. Let that which has started grow. Que ça puisse grandir. I've seen people, j'ai vu des gens, especially children, et particulièrement des enfants. You worship. And you really go together, you see that they're really going. Dans l'adoration, et puis on voit qu'ils se lancent. My daughter normally does that. Ma fille fait cela normalement. When you come to your prayer, quand elle va prier, it's like she has no words, and sometimes she begins to say, C'est comme si elle a pas de mots. Elle fait juste. At first I said, what is she doing? Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? But then I realized. She was not getting distracted. After some time, she begins to speak. Et après un certain moment, elle commence à parler. And she's really talking to God. Et elle parle vraiment à Dieu. And I said, "Well, that's her way." Et je dis, ça c'est sa manière. It's like it's drawing out what God is releasing inside. C'est tirer ce que de l'intérieur ce qui se ce que Dieu fait. I don't want to try and explain this too much because I know somehow deep inside. Every individual, every human being understands what I'm talking about. Je vais pas expliquer davantage parce que je sais que d'une manière ou d'une autre, chaque individu comprend de quoi je suis en train de parler. I'm trying to explain too much may even take away from what I'm trying to call you to focus upon. Et en expliquant un peu trop, on va peut-être partir à côté de ce que j'aimerais faire passer. Let me finish with this. J'aimerais terminer avec cela. The biggest hindrance to prayer. Le plus grand obstacle à la prière is my mindset. C'est ma mentalité. The way I see things, la manière dont je vois les choses, the way I understand things, la manière dont je comprends les the choses, way I'm used to flowing with things, la manière dont j'ai l'habitude de fonctionner avec les if choses. You recognize that, si vous reconnaissez cela, every time you enter prayer, chaque fois que vous entrez dans la prière, be willing, soyez désireux, to give your body a living sacrifice to God, soyez ouvert à donner vos corps comme un sacrifice vivant, and to say, renew my mind, en disant « Renouvelle ma pensée, Seigneur. » Change the way I feel. Change la manière dont je ressens les choses. Not everything I think is right is right. Parce que tout ce que je pense être juste n'est pas juste. But Lord, mais Seigneur, as I approach you, alors que je m'approche de toi, to you, alors que je te parle, somehow let your word talk to me. Que tes paroles me parlent. Let your word renew my mind. Que ta parole renouvelle ma pensée. Come, let us reason together. Venez et plaidons ensemble. Present your case. Présentez let's votre talk. Cause. Parlons. Let's talk. Dialoguons. Simple. C'est simple. It's not a job. C'est pas un boulot. It doesn't matter whether you are fluent or not. C'est peu importe ce que vous parliez couramment ou pas. Don't mind about grammar. On se préoccupe pas de la grammaire. Just let it come. Let que ça vienne. Even if you break in the middle and you change and you babble and stammer, that's all right. Mais même si vous vous cassez la figure au milieu et vous changez, c'est pas grave. It's not about which good words, beautiful words you're using. C'est pas tellement combien le joli mot vous utilisez. C'est le cœur. C'est le cœur. And if you allow that heart to deep to call out, deep to call, eventually it consumes you. Et si vous permettez à ce cœur de s'exprimer de sa profondeur. And if the word of God challenges the way you think about things. Et si la parole de Dieu vous met au défi sur notre manière de penser. Be willing. Soyez désireux, ouvert. To let go of your own way of thinking. De laisser tomber votre propre manière de penser. And allow the word. Et permettez à la parole to be your prayer. D'être votre prière. Pray the word. Priez la parole. Pray yourself into it. Priez. Oh, hallelujah. And I tell you something. J'aimerais vous dire quelque chose. I feel a presence here. Je sens une présence ici. I feel there is a thick anointing in our midst for prayer. Je sens qu'il y a une onction forte pour la prière. Not professional prayer. Pas des prières professionnelles. Just that pouring out. Juste des cœurs qui se déversent. Childlike. Comme des enfants. Like you come before the father. Comme des enfants qui viennent devant leur père. I used the metaphor yesterday of a counselor. J'ai utilisé l'image du consolateur. You just say, well,
I don't know how to explain these things. Du conseiller, pardon. Je ne sais pas comment expliquer les choses. This is the situation. Mais voilà la situation. I want to pray. J'aimerais prier. Begin to speak out. Commencez à parler. Your case. Présentez votre cause. And this is what I'm inviting you to do right now. Et j'aimerais vous inviter à le faire maintenant. Switzerland. Suisse. Needs prayer. A besoin de la prière. But let that prayer begin in your house. Mais que cette prière commence dans votre foyer. In your home. Dans vos maisons. I challenge you. Je vous mets au défi. What would hinder prayer abiding in your home? Qu'est-ce qui empêcherait la prière pour qu'elle demeure dans votre foyer? I know, humanly, it's not easy. Je sais, humainement, ce n'est pas facile. Fine. Très bien. Let's just talk to God about that one thing. Alors parlons à Dieu de cette chose-là. About prayer in your home. De la prière dans votre foyer. You tell him, Lord, I want to do this. Dites au Seigneur, je veux le faire. But, mais, let us start there. Alors commençons là. Can we talk to God? Parlons à Dieu. Can we do that? Est-ce qu'on peut faire ça? Can we do that? Est-ce qu'on peut faire cela? Let's stand up. Alors on va se lever.